Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Sport en France pour découvrir le résumé du deuxième rendez-vous de ce championnat de France des rallyes Terre 2024, le rallye Castines Terre d'Occitanie. Et justement, je suis en présence et bien de deux invités exceptionnels qui vont rouler sur la manche VHC, François et Mathis Delecourt. Merci messieurs déjà d'avoir choisi ce rallye pour venir vous dégourdir un petit peu les pattes. François, expliquez-nous et bien ce que vous avez trouvé justement il y a quelques instants sur le tour de reconnaissance. C'est compliqué, je vais vous dire franchement, ça glisse énormément, il y a des flaques, hein, mais ça fait partie du charme du rallye. Je pense qu'on va se régaler tout à l'heure et surtout Mathis qui va conduire. Moi, je suis copilote en herbe hein, sur cette épreuve terre. Peut-être que je prendrai le manche, et encore c'est pas sûr, parce que j'ai envie vraiment qu'il se fasse plaisir et qu'il apprenne sur tout le métier, parce que ça va être son premier rallye. Et oui Mathis, ça va être bien l'occasion de prendre un maximum d'expérience, et puis avec papa dans le baquet de droite ou de gauche, du coup ça sera selon, il y aura de quoi apprendre. Ouais, il y aura de quoi prendre de l'expérience, et en même temps en vue des conditions là qui s'annoncent déjà dans les trois spéciales d'aujourd'hui, emmagasiner de l'expérience, et voilà, rien de mieux pour un premier rallye. Et oui, une première étape qui sera marquée par la pluie, les conditions météorologiques assez compliquées dans le Lot ici. Je vous propose de découvrir tout de suite les meilleures images de cette première étape. Comme d'habitude sur le championnat de France des rallyes terre, c'est aux concurrents des véhicules historiques de compétition que revient la tâche d'ouvrir la route, puisque c'est eux qui s'élancent en premier. La première étape aura été malheureusement de courte durée pour Mathis et François Delecourt, posés sur un talus lors de la deuxième spéciale. L'équipage repartira tout de même le lendemain pour conclure le rallye avec plusieurs belles performances. Guino Kenis et Björn Van Overschelde ont survolé les débats sur la manche VHC. Ils imposent à Bretenoux leur BMW 325i avec plus de 6 minutes d'avance sur leurs plus proches adversaires. Place maintenant à l'épreuve moderne. Après leur victoire aux Terres d'Écosse, Florent Todeschini et Florian Barral comptent bien doubler la mise dans le Lot, mais leur week-end démarre malheureusement sur une mauvaise note. On a détecté un petit souci de frein à main, donc voilà, l'assistance elle a du boulot d'entrée de rallye. Et bon, ça va le faire, hein, j'ai confiance en eux. Mathieu et Mathilde Margaillan, vainqueurs de l'épreuve en 2023, sont eux aussi à surveiller, tout comme Laurent Pellier et Kevin Bronner, troisième aux Terres d'Écosse. Une nouvelle spéciale ce matin, on a repris les notes, ça va permettre de faire peut-être un peu différent dans celle-là. Je vais essayer de faire le maximum, moi, pour ce matin. Les conditions sont vraiment très très difficiles. C'est dur de savoir à quel objectif se fixer, si ce n'est de pas faire d'erreur. 30 mètres. Frein, épingle droite, 30 moins très court. 40 mètres. Comme prévu, la pluie fait son apparition d'entrée de jeu. Florent Todeschini et Florian Barral se font prendre au piège. Ils partent légèrement à la faute dans la première spéciale, cassent un tyran en plus d'être victime d'une crevaison et génèrent bien malgré eux un gros bouchon dans la troisième spéciale, n'ayant pas manqué de chambouler provisoirement la hiérarchie. Heureusement, les concurrents gênés, Mathieu Margaillan, Laurent Pellier et Jean-Sébastien Vigion, sont crédités d'un temps forfaitaire qui minimise cette perte de temps. Les espoirs d'un deuxième succès cette saison s'envolent donc pour les leaders du championnat. Un week-end à oublier et déjà un joker de grillé. 40 pour rail, 50 mètres, droiti, 60 mètres, gauchifre, 20 mètres, quitté gauche 130 plus saut tarmac cuvette. On a une première boucle assez difficile, donc bon, on a eu un ennui. Une crevaison et un suivi d'un ennui mécanique, bon, c'est la vie, ça arrive. On a perdu beaucoup de temps, forcément on est hors-jeu pour gagner la course. Malgré une petite chaleur dans l'après-midi, Mathieu et Mathilde Margaillan s'envolent en tête du rallye au volant de la Skoda Fabia RS Rally 2 du Team AMD Motorsport. Auteur des temps scratch des trois premières spéciales, ils rentrent en tête en fin de journée avec 23,8 secondes d'avance sur leur dauphin. On est bien placé ce soir, quelques petites erreurs comme beaucoup de pilotes ont pu faire. On a limité la casse à des moments et on a plutôt bien roulé, on a fait attention, on a fait une petite erreur puisqu'on tape sur un arbre et on tord deux portières dans la spéciale numéro 4. Les dauphins, ce sont eux, Laurent Pellier et Kevin Bronner. Malgré leur méconnaissance du terrain, ils signent le meilleur temps dans le S5 et dans le S6 avec la Hyundai i20 Rally 2 du team Bonneton HDG2C Compétition. Sur gauche 150, à fond, tour, 140, attention, gauche 130, très court, sur gauche. C'était assez compliqué, on s'est un petit peu cherché en termes de setup. Bon, après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Flo dans la 3, on prend un temps forfaitaire qui n'est pas très cool, mais c'est comme ça. Et puis cet après-midi, on n'a pas trop eu le choix que de repartir à l'attaque, on a réussi à mettre le doigt sur quelque chose de pas mal d'un point de vue châssis. Troisième au soir de la première étape,
Benjamin Clémenceau fait oublier le mauvais souvenir du Terre d'Écosse au volant de sa Volkswagen Polo R5 GTI du Sarrazin Motorsport Iron Lynx. Rappelons que le pilote alésien est cette année copiloté par le champion de France des rallyes copilotes 2022, Kevin Parroche. Les conditions étaient quand même compliquées donc pour tout le monde, il fallait faire attention, rouler surtout avec la tête. On a fait quelques quand même petites erreurs, mais bon, ça, voilà, des petits tout droits qu'on perd 2-3 secondes par là, mais rien de méchant. Et voilà, là dans la dernière, Laurent Pelli a fait un super temps. Bravo à lui, quoi, parce que voilà, nous on pensait aussi faire un bon temps et finalement on est quand même loin derrière. Jean-Sébastien Vigion poursuit l'apprentissage de la Citroën C3 Rallye 2 du team PH Sport Academy Minerva Oil GT2i. En compagnie de sa copilote Amandine Borderie, il conclut la première étape à la quatrième position au général, à un peu moins de 25 secondes du podium provisoire. Avec des hauts et des bas, malgré tout, on est assez content de notre rythme. Le rythme est monté par rapport aux courses. Voilà, je suis toujours pareil, quatrième, mais je suis plus content qu'aux courses. On progresse pas vite, mais on progresse. Dans la cacophonie de la troisième spéciale, Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim signent leur premier temps scratch de la saison. Ils ramènent à Bretenoux la Skoda Fabia Rally de Evo du team AMD Motorsport en cinquième position au soir de la première étape. 160 mètres, gauche 95 cours, 120 mètres, 95 cours là, 120 mètres, gauche droite corde. C'est un rallye très très difficile dans ces conditions, mais c'est quand même magnifique, on s'est régalé, la voiture marche impeccable. Il faut que le pilote fasse un peu moins de fautes demain, mais maintenant en devant, Jean-Seb est loin, Fix est loin aussi derrière, donc voilà, on va essayer de progresser et se concentrer sur notre pilotage demain. À l'issue de cette première journée, la hiérarchie est complétée par François-Xavier Blanc et Romain Garel, 6e sur la Skoda Fabia Rally 2 du Sarrazin Motorsport Iron Lynx. Par Cédric et Sabrina Rabas, l'équipage jurassien pointant en 7e position après les 6 premières spéciales. Et par Sarah Rumeau et Julie Amblard, 8e au général, et toujours en pleine découverte de la Ford Fiesta Rally 2 aux couleurs d'Iron Dams. On se sent bien dans la voiture, on découvre les spéciales, on découvre ses conditions aussi, donc c'est vrai que on prend nos marques. La bagarre fait rage également lors de cette première journée dans le clan des Clio Rally 3. C'est Michael Lobry et Gaëtan Parade qui s'en sortent le mieux et qui prennent les commandes devant Jérôme Jacquot, copiloté ce week-end par Jean-Christophe Delcambre. Une première étape mouvementée, comme vous avez pu le constater il y a quelques minutes. La bonne nouvelle en ce dimanche matin, c'est que le soleil est au rendez-vous. Mais attention, car les conditions en piste sont très délicates. Je vous propose justement de découvrir les plus belles images de cette deuxième étape. C'est parti. Six spéciales attendent les concurrents pour cette deuxième étape avec quelques nouveautés, et notamment la spéciale de Saint-Laurent-les-Tours au programme du rallye pour la première fois. Après le tour de reconnaissance effectué le dimanche matin et à la demande de certains concurrents, cette spéciale est finalement raccourcie de quelques mètres. Le rallye Castine-Terre d'Occitanie est également la seconde manche du Clio Trophy France Terre 2024. Comme d'habitude, les équipages engagés au sein de cette formule de promotion, 23 dans le lot, sont tous extrêmement motivés et nous proposent une bagarre d'une exceptionnelle intensité. Lauréat de l'opération Rallye Jeune IACO FFSA 2021, Tom Pelleret fait partie de cela. Il termine la première étape en seconde position du classement. Une journée satisfaisante, on n'était pas dans l'optique de vraiment se battre pour la victoire. On voulait vraiment faire une première journée sage, dans des conditions compliquées. A l'issue de la première journée, le Vauclusien est toutefois pris en sandwich par deux pilotes malgaches. Fanny Rirazo Amaromaka, copiloté par François Herbe, conclut l'étape en troisième position. Étroite 4 plus coupe Herbe. 50 mètres, gauche 2 plus, corde Herbe 2 plus. Son frère Mika, quant à lui navigué par Bastien Pouget, signe la journée parfaite et rentre à Bretenoux en leader du Clio Trophy France Terre. 50 mètres, glisse, droite 2, droite 2, 10 mètres,
Essaye de pas mettre les essuie-glaces. Droite 4, ferme. Dimanche matin, les trois pilotes poursuivent leur formidable bagarre. Fanny Rirazo Amaromaca se rapprochant à 2,6 secondes de Tom Pelleret à 3 spéciales du but. Personnellement, pour Bastien et moi, ça s'est bien passé. On est devant à presque une minute. Et on est fiers de nous. On a attaqué dès la première spéciale et le résultat est là. Dans la première boucle, on n'a pas fait spécialement d'erreur, mais dans la deuxième boucle, dans la 5, on fait une petite touchette qui plie le train arrière. Du coup, on perd un peu de temps dans la deuxième boucle, mais ça va, je pense qu'on a réussi à garder notre deuxième place. Mais la hiérarchie reste finalement inchangée. Mika Razo Amaromaca et Bastien Pouget s'imposent pour la première fois devant Tom Pelleret et Hervé Fauché. Dans droite 10 à fond, 50 mètres. Gauchy en ciel à fond. Fanny Rirazo Amaromaca et François R terminent 3e. On est très content de notre performance et là on est très content parce qu'on est tous les deux sur le podium. C'est ma première victoire oui, ici en Clio Trophy, en formule de promo et aussi en France. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça fait depuis 2021 qu'on court et 3 ans après je suis content de l'avoir gagné. Dans le championnat de roues motrices, Pablo Sarrazin et Geoffrey Combe vivent un week-end compliqué avec deux casses mécaniques les empêchant de rallier l'arrivée. Du coup, c'est une autre Peugeot 208 Rally 4 qui en profite et qui s'impose, celle de Lucas Darmezin et de Valentin Auger. Pour sa deuxième apparition seulement au volant de sa Subaru, Hugo Bécart, copiloté par Florent Delpech, remporte la manche du trophée national Terriaco. Revenons à la bagarre dans le top 10 avec les principaux intéressés. L'objectif c'est d'être devant en Rally 3 et on a rempli l'objectif donc on est très content. C'est vrai qu'ici c'est un terrain un peu plus propice pour les Clio. Michael Lobry et Gaëtan Parade placent leur Renault Clio Rally 3 en 10e position au scratch. 50 mètres. Match chanceux du week-end, Florent Todeschini et Florian Barral parviennent tout de même à rallier l'arrivée à la 9e place tout en ayant signé plusieurs temps scratch. François-Xavier Blanc et Romain Garrel prennent la 8e place finale sur leur Skoda. Comme au Terre d'Écosse, Sarah Rumeau et Julien Blard terminent 7e du classement scratch sur leur Ford Fiesta Rally 2. Droite 9 plus, mini 60 mètres, à l'arme prochaine cible. Cédric et Sabrina Rabas placent leur Skoda Rally 2 en 6e position, mais contiennent Rumeau et Amblard pour seulement 4 dixièmes à l'arrivée. Week-end sans encombre pour Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim, 5e du classement au volant de la Skoda du Team AMD Motorsport. Ah, il y a 20 et quelques secondes, à 20 et quelques secondes du podium. C'est à la régulière, ça va être très très dur, mais tant que l'arrivée n'est pas passée, c'est jamais fini. Garder, c'est sûr, notre 3e place et essayer d'aller peut-être titiller un peu devant aussi. Jean-Sébastien Vigion attaque fort pour recoller au basque de Benjamin Clémenceau. Revenu à 13,5 secondes après la 8e spéciale, le Creusois et sa copilote Amandine Bordery doivent se contenter d'une nouvelle 4e place sur la Citroën C3 Rally 2. Benjamin Clémenceau s'offre ainsi son premier podium de la saison. Il s'agit également du premier avec son nouveau copilote Kevin Parent. Sur gauche frein, tenir, pour droite 120 moins court. Combien celui-là ? Pour droite 120 moins court, là, 120 moins court. Quitter gauche corps, du ferme 135 corps de max. On va faire les deux premières, voir où on se situe. On aimerait vraiment conserver notre deuxième place à minima. Si on peut remonter Mathieu, ça serait que du bonus. Mais voilà, il a l'expérience, il est très rapide. Stratégie, on va essayer de bien rouler dans les deux spéciales que l'on connaît. Et puis essayer d'être cool et de ne pas faire d'erreur dans la dernière spéciale. Laurent Pellier et Kevin Brunner n'ont pas ménagé leurs efforts pour tenter de revenir sur le leader du rallye. En atteste leur temps scratch dans la 10e spéciale. Ils échouent finalement à 24,4 secondes du vainqueur du jour, mais inscrivent de précieux points. Second au Terre d'Écosse, Mathieu et Mathilde Margaillon ont dominé de la tête et des épaules cette seconde manche de la saison et remportent donc le 24e Rallye Castine Terre d'Occitanie sur la Skoda Fabia RS Rally 2 du Team AMD Motorsport. La fratrie Margaillon prend ainsi les commandes du championnat de France des rallyes terres.
Une épreuve palpitante que ce rallye Castines Terre d'Occitanie, deuxième manche du championnat de France des rallyes terre, remporté par Mathieu et Mathilde Margaillan, qui nous ont livré une très très belle bagarre face notamment à Laurent Pellier, copiloté par Kevin Brunner. Mathieu, bravo à vous, deuxième victoire ici. Vous vous étiez déjà imposé l'année dernière. Pour la petite anecdote, c'était ici que vous avez signé votre première victoire en championnat de France des rallyes terre. Toujours un petit peu d'émotion, j'imagine, de monter en tant que vainqueur sur ce podium à Bretenoux. Oui, exact. C'est vrai que c'était la première victoire l'année dernière et là, ça fait un petit pincement au cœur. On s'est régalé. Une victoire qui était difficile l'année dernière et qui a été aussi cette année, avec une belle bagarre avec Laurent, qui est à notre droite, et tous les autres concurrents. On a eu l'avantage hier et le jeu s'est déroulé hier globalement, puisqu'aujourd'hui, les écarts étaient assez mineurs. Et on est satisfait de la bagarre. Une belle bagarre effectivement grâce à vous, notamment Laurent, vous avez signé de multiples temps scratch et vous avez donné rendez-vous pour la suite de la saison très clairement. Ouais, effectivement, on est très heureux, on a passé un super week-end ici dans des conditions à la fois boueuses, pluvieuses mais aussi sèches cet après-midi, c'était très changeant. On a réussi à augmenter notre niveau de performance, on a bien travaillé depuis l'Écosse et j'espère qu'on va continuer à réussir à hausser le rythme pour les prochains événements et essayer de décrocher une victoire, pourquoi pas. Parlons-en de ces prochains événements, la suite du championnat elle arrive, c'est dans quelques semaines seulement, quelques jours même, un rallye que vous connaissez bien Mathieu, où vous vous étiez imposé l'année dernière. Je connais bien, ouais, on a participé une fois, on a des caméras qui vont nous aider, ça c'est sûr, mais bon, tout le monde a les caméras, donc globalement, c'est un très beau rallye, ne serait-ce que par le paysage, et puis voilà, on est en Corse, quoi, c'est magnifique. Les spéciales l'année dernière étaient superbes, avec des beaux morceaux, de la belle bagarre, donc j'espère que ce sera la même chose cette année. Il n'y a pas de raison, en tout cas, c'est le projet pour ce rallye Terre d'Aléria. Pour vous Laurent, ça sera une totale découverte, mais en même temps, comme le disait Mathieu, c'est seulement la deuxième édition, donc finalement ça va peut-être niveler un petit peu les performances. En tout cas, on a hâte d'y être, parce que voilà, je pense que comme l'a dit Mathieu, la Corse reste un endroit magique et magnifique, et quoi qu'il en soit, ça sera une belle épreuve, j'en suis certain. Et bien, en tout cas, on a hâte d'y être. Merci à vous, merci pour le spectacle offert, et puis merci de nous avoir suivis sur Sport en France pour le résumé de ce deuxième round du championnat de France des rallyes terre. Le prochain rendez-vous, vous l'avez compris, ça sera sur l'île de Beauté les 24 et 25 mai à l'occasion du rallye Terre d'Aléria. Salut à tous.